On est présent aujourd'hui sur le square de la Porte d'Arras. L'objectif, c'est de planter une micro-forêt urbaine. L'idée de cette micro-forêt urbaine, c'est de pouvoir planter beaucoup d'arbres avec 3 arbres qui sont plantés au mètre carré. Chaque essence d'arbre va avoir des hôtes particuliers, que ce soit des insectes, des oiseaux, et on va pouvoir recevoir 100 fois plus de biodiversité que dans une forêt classique. C'est ça le principe, le concept d'une forêt Miyawaki, du nom du botaniste japonais qui a créé le modèle. Ce projet s'inscrit dans le cadre du budget participatif. On a candidaté, on a espéré, on a mobilisé, on a rassemblé et on a eu la chance de sortir lauréat avec 18 autres projets du budget participatif. Ce lieu, il doit être pensé avec les habitants, pour les habitants et par les habitants. Cette journée pour nous, c'est une journée de fierté. Aujourd'hui, on plante avec les enfants, on va planter bientôt avec les citoyens. Et on sait que c'est des moments partagés qui vont être très intenses et très émouvants. On aime notre ville et on a envie de contribuer aussi à l'amélioration de la qualité de vie pour tous les Lillois et pour les habitants de Moulins notamment. Je m'appelle Thibaut Garin, je fais partie du collectif La Racine et j'habite dans le quartier de Moulins.